économiser plus de 200 boules pour passer ton code. Oui, ça existe. Tu te feras pas pigeonner comme moi. Donc, coucou tout le monde, moi c'est Françoise alias Taina. Je poste une vidéo tous les mercredis à 18h, tous les samedis matin à 10h quand je m'y tiens vraiment. Des fois, je peux poster une vidéo toutes les 3 semaines, mais là, je fais un grand effort. Donc, comme je te l'ai dit dans le début de la vidéo, comment économiser, dépenser que 30 euros pour passer son code de la route. Moi, j'ai passé mon code et mon permis il y a presque un an maintenant de cela. Et entre vous et moi, ma carte bleue, elle a chauffé d'une puissance vertigineuse. En tout, j'en ai eu pour 1800 euros, code et conduite inclus. C'est extrêmement cher. Près de 2000 balles dans ça, c'est pas donné à tout le monde. Clairement, j'étais en dépression pendant les 6 mois où j'ai passé tout cela. À chaque mois, j'étais à découvert. Clairement, je suis vraiment honnête avec vous, j'étais à découvert chaque mois. Parce que les heures de conduite, il faut les payer avant de passer des heures. Et pour avoir 10 heures, vous dépensez entre 300 et 400 euros pour 10 heures seulement, c'est extrêmement cher. Et pour le code, c'était pareil. Je m'étais inscrit dans une salle, dans une auto-école classique, comme la plupart des Français, je pense. Et en tout, ça m'a coûté 200 euros, rien que pour le code. Les 200 euros, ce qui est inclus dedans, c'est les frais d'enregistrement, carte de code, le kit pochette B, forfait code qui est valable un an, le code accès internet pour te connecter en ligne, pour faire des cours de code en ligne. Et t'as aussi l'évaluation de conduite qui est inclus dedans. En tout, j'en ai pour 245 euros rien que pour les codes et mon heure de conduite. C'est extrêmement cher. Entre toi et moi, j'allais jamais à la salle de code à l'auto-école. Parce que clairement, moi je suis salariée, je me lève à 5h du matin pratiquement tous les jours quand je suis du matin. Quand je quittais le travail, j'étais fracassée, j'étais fatiguée. Mais j'allais quand même. Mais gros point négatif, c'est que je m'endormais dans la salle de code. Je m'endormais carrément, j'étais pas à fond dedans, j'étais fatiguée. Mon cerveau était déjà débranché depuis très longtemps. J'étais pas vraiment à fond dans l'exercice. Et puis la salle de code était petite. Exigu, t'avais chaud, t'avais froid, t'avais envie de pisser. C'est pas très intuitif pour moi en fait. T'as juste plein, tu fais juste plein de séries pendant 2 voire 3 heures et ouais, et puis basta en fait. L'auto-école te donne juste un petit bouquin, un petit livret où t'as plein de cours de code dedans et tu dois lire. Tu dois lire et apprendre limite bêtement les différents codes du code de la route. Clairement. Et moi, je ne suis pas manuelle. Ouvrir un bouquin, c'est pas trop mon délire. Moi, je suis beaucoup plus multimédia, apprendre sur mon téléphone, mon iPhone, mais sur mon ordinateur. Mais ouvrir un livre pour apprendre le code qui est extrêmement chiant, je ne l'ai jamais fait. Entre 3 et moi, au bout de 1 mois, je n'ai plus en salle de code. Je faisais tout en ligne via mon code accès internet. Mais le code accès internet est valable que 4 mois. Et au bout de 4 mois, je faisais encore plein de fautes. Aux entraînements que je faisais aux entraînements de l'examen blanc, que tu as aussi des examens blancs que tu peux faire sur le code d'accès en ligne. Au bout de 4 mois, je faisais encore plein de fautes et au bout de 4 mois, je n'avais plus accès à Internet, aux cours de code en ligne. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dois repayer encore 45 euros pour avoir que 4 mois seulement? Non, never, ça m'a dégoûté, ça m'a limite énervé. Je ne veux pas encore repayer 45 euros et mettre la pression qu'au bout de 4 mois, il faut absolument que j'ai mon code. Non, tu te mets la pression pour rien. Tes parents sont sous tes côtes. Tu es quand même sur tes propres côtes, c'est énervant. Donc un jour, j'ai un peu fouillé le net pour trouver une solution qui puisse me faire moins dépenser. Et j'aurais tellement aimé découvrir ce site avant de m'inscrire à l'autre école. J'aurais économisé 245 euros, clairement. Dégoûté, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Mais c'est que bon, c'est beaucoup trop tard pour moi. J'ai découvert le site Ornica. Je pense que vous le connaissez. C'est un site qui a été fondé en 2013 où tu peux passer ton code en ligne et ta conduite avec eux. Moi, j'ai passé que le code avec eux, comme j'étais déjà inscrit dans mon auto-école pour la conduite. Donc, Ornica, c'est une grosse plateforme en ligne où tu payes seulement 29,90 € et tu as un accès illimité, je précise bien illimité, pour avoir des cours de code, des séries thématiques en lien avec le code. Et 3 mois après, j'ai eu mon code. Clairement, ça m'a coûté que 30 euros et c'est illimité. Et là, un an après, je peux encore accéder au site. Parce que clairement, tu payes que 30 euros et tu l'as à vie. Tu peux accéder au site à vie pour 30 euros seulement. 30 euros contre 200 euros, clairement, il n'y a pas photo. Donc, le site Ornica. Je vais vous le présenter dessus comment il est fourni. Donc, je vais activer
l'enregistrement de mon petit écran. Donc techniquement là, ça enregistre. Donc vous l'avez sur Google, hop, extrêmement simple. Tu tapes Ornica et tu tombes sur le site. Voilà, le premier site. Donc l'auto-école en ligne qui révolutionne le permis. Donc Ornica propose de passer le code de la route avec eux, de passer aussi le permis de conduire avec eux. Moi, le permis de conduire, comme je l'ai dit auparavant, j'ai passé mon auto-école. Là, je connais vraiment que le code de la route. Donc comme tu vois ici, il te coûte, l'accès coûte que 29,90€. En clair, pour 30€, tu as accès au cours de code sur le site. Donc j'obtiens mon code, voilà. Tout inscrit gratuitement, donc tu remplis les cases et après tu payes par carte bancaire 30€ par mois. Donc je te montrer comment est la plateforme. Donc hop, voilà, je vais mettre un petit flou, je me connecte. Et comme tu peux le voir, j'ai encore accès à mon site. Il y a plus d'un an que je me suis inscrit chez eux et j'ai encore accès. Donc tu as le petit onglet sur ta gauche où tu as les entraînements. Donc, tu as beaucoup de séries. Des séries d'examens en examen où tu as 40 questions que tu réponds quand tu étais à l'examen du code. Donc là, j'avais fait 29 séries en tout. Après, tu as des cours de code en ligne par thématique, donc circulation routière, conducteur, la route, etc. Après, tu as des séries par thème. Tu as des séries, notre série de la circulation routière, tu as notre série de l'environnement, conducteur, vraiment des séries par thématique. Et tu peux voir ta progression, comment tu progresses en faisant les différentes séries. Donc comme tu vois, j'avais une bonne progression, voilà, et à la fin je faisais que 39, je faisais que une erreur sur 40 questions. Donc 39 bonnes réponses, franchement c'était plutôt pas mal. Et ensuite tu as aussi des conseils qui sont donnés pour passer tes examens, voilà. Après tu as l'onglet conduite, ça par contre je l'ai pas essayé. Après tu as l'onglet espace examen. Donc comme tu peux le voir, c'est vraiment un site qui est le même style de site que tu as en auto-école. Mais là, c'est tout est fait en ligne et ça te coûte que 30€. 30€ seulement et c'est illimité. Tu l'as à vie. Un an après, je peux encore accéder à mon site comme tu peux le voir. Après, le jour où tu es prêt pour passer ton examen du code de la route, tu vas dans l'espace examen, juste ici. Et après, tu demandes ton numéro NEPH. Donc moi, je l'ai déjà, donc clairement, ça ne va pas vous l'afficher. Tu cliques, je demande mon numéro NEPH. Tu réserves en ligne. Donc tu cliques juste ici. Après, hop, là, tu rentres tes informations. Après, donc là, tu rentres tes informations, ton numéro NEPH, voilà. Après, tu cliques sur mes informations. Et après, tu vas pouvoir choisir ta session d'examen où tu passes ton code de la route. Soit à la poste, généralement, les gens le passent à la poste. Dans un garage qui est agréé pour passer ce type d'examen et tu payes ta place qui coûte que 30€. Donc en tout, tu vas payer ton code, ton accès en ligne en écart 30€ plus ta place pour l'examen du code 30€. Ça t'aura coûté 60€ en tout pour les deux. 60€ compte 200€. Clairement, le choix est vite fait. Après, avant que vous me le demandiez, votre numéro NEPH, tu le demandes sur le site, voilà. Demandez un numéro NEPH, tu remplis tes informations, tu vas recevoir un courrier entre 3 et 5 jours ouvrés où ton numéro NEPH sera inscrit dessus. Donc, comme tu vois, la plateforme Ornica, c'est vraiment une plateforme très très simple d'utilisation. C'est des cours d'accès du code de la route, tu as des séries. Par thématique, tu as des entraînements, tu as entraînement examen blanc. Clairement, tu as tout ce qu'il faut venir dessus pour 30€ seulement. Je te conseille fortement de faire comme ceci, de faire ton code de la route avec eux. Ça coûtera beaucoup moins cher à toi-même si c'est toi qui le payes, ou bien beaucoup moins cher à tes parents que 30€ l'accès au site. Et après, tu paies 30€ pour avoir ta place à l'examen. En tout, tes parents ou bien toi-même auront déboursé que 60€ pour le code de la route comparé à 200€ de ce que moi j'ai dépensé au tout début. J'aurais aimé connaître le site avant, dommage pour moi je l'ai connu bien après, sinon clairement je ne me serais pas inscrit à l'auto-école pour passer mon code. Je j'aurais vraiment été inscrit sur Ornica, vous déboursez max 60 balles et puis voilà, au bout de 3 mois j'aurais eu mon code je pense. Donc voilà, mon astuce est finie, j'espère que t'as plu. Dites-moi aussi en commentaire si t'as aussi testé le site Ornica ou pas, si t'as aimé ou pas, t'as peut-être eu des mauvaises, des mésaventures, ça peut arriver.
de moi, ça m'est très bien passé pour le tête que pour toi, c'est tout le contraire. En tout cas, dis-moi en commentaire ce que tu penses de Ornica, en tout cas. Si mon bon plan, entre guillemets, peut t'aider, franchement, ça fait vraiment grave plaisir. Autant économiser quand même, parce que la vie est tellement chère maintenant, parce que économiser plus de 200 euros, franchement, c'est pas négligeable. C'est 200 euros que tu peux investir dans autre chose. Voilà, donc souvent sur mon Instagram ou sur mon Snapchat si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube, bien sûr si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, la clope des notifs, je te dis à très bientôt. Bye.